parce qu'elle a fait que me baratiner. Elle voulait genre une sucette, vous voyez ce que je veux dire, mais pas la sucette Candy goût fraise ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais? Oh! 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 Violent! Il y a du monde! Moi, tu me fais pas peur, hein, du monde! Qu'est-ce que tu vas faire avec ton couteau? Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Hugo. Hugo qui a 26 ans, qui a été victime d'un accident de moto récemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Oui, bien sûr. Je suis un grand passionné de moto et malheureusement, j'ai fait un grave accident. Et maintenant, je me retrouve dans cet état. Et ça va durer 3 ans, si c'est pas plus, d'après les médecins. Et je dois faire beaucoup de rééducation. Et de là, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent complètement, qui se garent aux places handicapées. Si tu prends la place d'handicapé, il faut aussi prendre leur handicap. Aujourd'hui, donc, tu es partiellement handicapé, on va dire. Ça veut dire que tu arrives quand même à bouger tes jambes. De ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait la résidence a fait une place handicapée spécialement pour toi parce qu'avant il n'y en avait pas. En fait, cette place elle me facilite vraiment. Hugo a une voiture aménagée pour handicapés donc il peut conduire. On lui a fait une place de stationnement pour handicapés dans sa résidence exprès pour lui parce qu'il n'y en avait pas auparavant. Elle est devant son bloc et il y a une personne qui vient et qui se gare à cette place. Vraiment, si je suis contacté, c'est parce que c'est vraiment très dur si tu veux. Quand j'ai pas cette place, je m'as environ une demi-heure. Environ une demi-heure. Ah oui, d'accord. Ça change énormément les choses. D'accord. Que... Et la personne qui se gare, c'est pas un handicapé. Non, et encore pire, c'est qu'en plus de ça, quand je lui dis, en fait, j'ai des réactions agressives. Ah, en plus. Souvent, j'ai des réactions agressives. Non, mais on est chez nous, il n'y a pas de place ici. On se gare si on en a envie. Et des fois, je me fais même insulter, quoi. Donc, je résume. On a une personne handicapée qui a une place attitrée pour son handicap dans sa résidence pour y faciliter l'accès à son immeuble et il y a une personne qui se gare dessus sans raison et en plus de ça qui l'insulte. On va t'équiper le micro. Je te le mets maintenant. Ok. Et tu restes comme ça. Oh, non, quoi? Quoi? Écoute Eric, cette fois tu vas pas me casser les couilles. C'est ma place. Tu es handicapé toi? Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, ça va pas non? Ça va pas non? Elle est où la carte? Montre la carte handicapée, elle est où? Elle est où la carte? Montre la carte. Quand tu me montreras la carte, tu auras la place. Elle est pas à toi cette place. On me l'a fait exprès moi la place. Ah oui, tiens, du coup, à droite, montez-toi. Qu'est-ce que tu fais? Il y a les freins là. Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh! 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 Arrête! Oh, enculé, t'as pas honte? T'as pas honte, je pouvais pas remonter. Je ne veux plus remonter à cause de toi, avec le trottoir. Ah, tu es un homme, toi. Ah, tu es courageux, toi. Tu t'en prends à moi quand je suis comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? De quoi je vais faire, quoi? Tu fais la bouteille. Tu crois que je vais faire quoi, à ton avis? Mais je peux rien faire, justement. Toi, tu as la chance de pouvoir faire les choses. De toute façon, moi, ça va pas être compliqué avec toi. Je vais appeler la police parce que j'en ai marre. Moi, à la base, je suis pas comme ça. Arrête de me menacer, c'est bon. Moi, je vais t'expliquer. Regarde bien. Ouais, c'est ça, tu as raison. Regarde bien, hop. On appelle les flics. De toute façon, il y a du monde ici. Tu peux être violent. Il y a du monde. Moi, tu me fais pas peur, hein, du monde. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton couteau? Arrête, c'est bon, non! Arrête, je te dis, non! Oh, non! T'inquiète pas, regarde le bicep, tu le vois là! Ouais, ah non! Regarde la police, c'est le numéro, regarde! Oh! Écoute, bon là, t'as vu, la police elle est venue, malheureusement, à part mettre une amende, ils peuvent rien faire de plus. J'ai vraiment eu peur là. Je sais pas. Il est venu avec un couteau, regarde ma roue. Là c'est abîmé.
Là, Ah ouais. Viens voir, viens filmer ça. Filme quand il s'en va. Bah, Sam, elle a mis toutes ses économies pour masquer les fauteuils. Ça a été filmé, ouais. C'est bon, il a pu filmer. Oui. Tout a été filmé. Parce que là, moi, je vais porter plainte grâce aux vidéos. Oui, mais. On va faire mieux que ça parce que je vais pas laisser passer ça, moi. Ouais. Non, je peux pas laisser passer ça. D'accord. Tu comprends? Tu sais ce qu'on va faire? Moi, je vais y crever les quatre pneus. Après, et après ça, on va attendre qu'il revienne. Et on va voir sa réaction. Et là, c'est moi qui ris au front. Et toi, tu as vraiment fait peur avec le couteau. Non, non, bah oui, non, je comprends même. On a eu peur. On aurait dû intervenir même avant. Ouais. On voulait voir jusqu'où il allait. Je sais pas jusqu'où il allait. Ah oui, je comprends. Bon, déjà, la police, elle est venue, c'est bien. Bravo à notre chère police aussi. Heureusement qu'il y a la police en France. Allez, viens, on va te. T'inquiète pas, on va s'arranger. Je vais t'en racheter un autre de fauteuil, t'inquiète pas. T'en tiens les freins, fais gaffe. Allez, viens. Putain, il t'a bien skinté là. Je vais aller lui crever les quatre pneus. Après, on va aller lui sonner avec Hugo qui est juste à côté de moi. Et on va lui dire que quelqu'un a crevé ses pneus. Et quand il va venir, on va voir sa réaction, les gars. Donc là, je vais crever les quatre pneus et après, on va aller le chercher. Ça fait du bruit. On va aller le chercher, les gars, et on va voir sa réaction. Bon, les gars, maintenant que les pneus sont complètement à plat, je vais aller sonner chez lui dans la résidence. Le caméraman va rester caché et je vais revenir avec lui en lui faisant croire que quelqu'un a crevé ses pneus. Voilà, simplement. En fait, c'est votre voiture celle-là ? Oui, c'est ma voiture. Il y a quelqu'un qui a fait les quatre pneus. Hein ? Non, mais. Voilà. Encore un temps. Mais toi, tu es là, j'allais te poser la main. Qui ça fait, toi, qui a fait ça ? Peut-être. Comme ça, peut-être. Peut-être. Toi, tu vois, c'est des gens comme ça, c'est des gens comme ça. Tu vois, des gros cancres de merde. Pourquoi tu parles ça ? Mais parce que là, tu crois que c'est lui qui a fait ça ? Mais va marcher, pourquoi tu dis que c'est lui ? T'as les quatre, carrément les quatre. Ouais, t'as les quatre pneus. Les quatre. Ouais. C'est pas mal ça que moi, tu as tout mon tel reçu. Déjà, t'as pas de moi, hein. Tranquille, frère, c'est un handicapé, j'ai compris. C'est un handicapé, tu m'en bats les couilles, c'est un handicapé. Moi, je vais lui dire, Eric, tu sais pourquoi tu as pas de couilles. Ferme ta gueule. Tu sais déjà ici, tu dis que tu tapes ta femme, et maintenant tu fais ça à un handicapé. Pourquoi tu parles comme ça? Ferme ta gueule, petit de pute. Frérot, je sais pas qui c'est qui t'a fait ça, je pense pas que ce soit lui. Voilà, je sais pas. Pourquoi il dit que c'est lui alors, peut-être? Je dis peut-être. Peut-être, je dis peut-être. Tu as vu qui c'était, voilà. Ouais, tu sais, moi je dis dans la vie, moi je peux pas le voir sa tête. Dans la vie, tu sais, quand tu fais du mal, ça te revient dessus. Vas-y, casse-toi, vas-y. Mais non, pourquoi? Mais pourquoi? T'as pas parce que je peux pas le voir, c'est un là. Moi je peux te dire pendant les études de grosse. Ouais, c'est facile. Ferme ta gueule. Bah écoute, maintenant tu te calmes, je vais te dire qui c'est qui a fait ça, moi je l'ai vu. C'est pour ça que je suis venu. Si, il avait ça, vas-y, dis-moi. Tu fais. Je t'ai dit là, c'est juste pour dire. Qu'est-ce que tu vas y faire à celui qui a fait ça? Je vais le défoncer, je vais. Ok. Alors moi je te dis, celui qui a fait ça, c'est moi. C'est moi qui t'ai crevé les quatre. Mais là c'est toi. Pourquoi tu fais pas le mariole avec moi comme tu as fait avec lui déjà? Vas-y. Vas-y, pourquoi? Je peux pas être toi parce que moi... J'ai deux bras, deux jambes, mais je peux me défendre. Parce que moi je peux me défendre. Parce que je ferme ta gueule, toi là-bas. Parle-lui bien, parce que je te jure, je vais te mettre la main dessus. Nous, tout à l'heure, on t'a filmé en train de lui couper les pneus et de lui crever les pneus à lui. D'accord? Donc on a décidé de te faire la même chose. Vas-y, qu'est-ce que tu... Maintenant. Tu es pas content? Non, poteau, attends. Moi je suis pas le FBI, moi je suis quelqu'un qui supporte pas l'injustice. Je suis quelqu'un qui défend les gens qui sont en posture. Moi je fais baisse. Alors tu es quand même d'un coup. T'as quand même vu qu'il est venu sur la place handicapé. Oui, tu me cherches. Il est handicapé. Ouais, il est handicapé. Et alors moi qui te dis que je suis pas handicapé. Ah, tu es handicapé du cerveau, ça oui. Le seul handicap que tu as, c'est dans la tête. Il est là, ton handicap. Non, maintenant. Donc, tu m'en la jambe. Maintenant je t'explique, frérot. Ta voiture, tu as voulu garer là. Tu vas y rester longtemps. D'accord? Non, 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 j'ai crevé. Oh, tu m'as mis l'entaille. Ouais, ça. Maintenant, si tu veux pas que je te mette une entaille dans la tête, va-t'en. Regarde ce que tu as fait, Tu as vu toi ce que tu as fait à lui? Mais ils se sont balayés une bouteille de merde. Non, tu as senti un couteau devant un handicap. Donc, depuis tout à l'heure, tu es filmé. Écoute-moi, si tu veux qu'on floute ta plaque d'immatriculation et ton visage, redescends d'un étage, frérot. Redescends, d'accord? Tu présentes tes excuses. Vas-y, moi je vais leur dire ce que tu as fait. Oui, parce qu'il a décidé. Voilà. Parce qu'en fait, il a crevé les. Non, mais il a crevé les pneus de sa chaise roulante, donc du coup, ben. On lui a crevé ses pneus de voiture. Ah oui, ah
Parce qu'il se gare sur les places handicapées qui ne sont pas les siennes. C'est pas, il n'est pas handicapé, il se gare dessus. Ah, voilà. D'accord. Donc on lui donne une petite leçon pour plus qu'il se gare là. Ah. Voilà. Là, tu as pris la place de Eric. Non seulement, si tu veux pas qu'on te mette ta tête sur internet et qu'on te mette pas tes plaques d'immatriculation et que tu changes pas d'appartement, écoute-moi, tu changes pas d'adresse, tu vas faire simple. Tu vas présenter tes excuses à ce mec, d'accord? Ouais, tu veux pas t'excuser? Il n'y a pas de problème. Non, cherche pas à comprendre. Non. Tu avais une chance. Non, allez, viens, on s'en va. Allez. Non, vas-y, je m'excuse, il n'y a pas de soucis. Donc là, je t'explique. Les vidéos, on va les mettre sur internet. On va mettre ton visage, ta plaque d'immatriculation. Ah, rien dit. Dans une semaine, on a pratiquement 1 million de personnes qui nous suivent. On a pratiquement. Écoute-moi. On a pratiquement 1 million de personnes qui nous suivent, on peut te faire déménager. Donc, soit tu t'excuses, tu te mets à genoux, tu te mets à sa hauteur, tu t'excuses, tu lui serres la main. Et tu promets de plus te garer ici, soit on met ton image sur internet. Moi je m'en fous. Et en plus de ça, t'as pris une amendette, alors il y a les flics qui sont venus. Soit tu te mets à genoux et tu lui demandes pardon, soit on balance les images sur internet. Et en plus je veux plus que tu te gares ici. Non, maintenant c'est à toi de jouer. C'est la dernière fois, écoute-moi bien. Non, écoute-moi bien, parce que moi j'ai pas ton âge. Moi j'ai pas ton âge. C'est la dernière fois que je te demande, tu te mets à sa hauteur, tu lui serres la main, tu demandes des excuses. Si tu ne le fais pas, on s'en va, on prend la caméra, les images, on met tout sur internet, pas de plaque foutée ni ton visage. Maintenant tu fais comme tu veux, c'est la dernière fois. Après je me tire, parce que là j'ai pas le temps. Voilà. Ça va, c'est bon. Bah écoute frère, désolé, voilà. Mais voilà, maintenant moi aussi comprends que maintenant j'ai avoir 4 minutes à changer. Donc, bah je suis désolé. Bah au moins excuse-moi, j'ai pas envie d'avoir ma tête sur YouTube, c'est quoi, parce que je sais pas ce qui fait des vidéos. Je suis désolé, je te serre la main. Merci, alors moi je te serre la main, mais si jamais il y a encore un truc, c'est simple. Si il se gare encore ici, voilà. Tu prends les photos, tu m'appelles. Voilà. Si il m'envoie une photo où tu as encore garé là, je te jure, c'est pas les pneus que je t'enlève, c'est la voiture que je te prends. Est-ce que tu as compris? Ouais, c'est pas moi, ta place. C'est que maintenant que tu as des images. Non. Ah, pourquoi me mériterais d'aller, je rigole pas. Si il m'envoie encore un message avec la photo où tu es garé ici, je mets les images sur internet et je viens, je te fais lever la voiture. C'est bon, je reviens plus, c'est bon. Non mais là tu vas y rester. T'es là, jusqu'à ce que j'ai 4 pneus. Tout est pour toi. Voilà. Surtout de plus être violent aussi. Faut que tu pour moi. Tu crois quoi? Tu vois, je vais payer les pneus. Allez, enlève le frère. Vas-y, c'est bon. Allez. Bon ben merci. Hein. Eh bien, c'est bien.